À l'extérieur, une vingtaine de motos américaines sont rangées en épi. Celles-ci ne sont pas mal non plus. Viens faire un tour avec nous. Allez, monte sur ta machine! La troupe furieuse s'ébranle en direction des voies rapides. Les Amazones font tourner leur chaîne à la manière d'un lasso. Les hommes, qui ont le malheur de se promener sur les trottoirs, sont saisis comme des jeunes veaux, puis traînés sur le bitume. Lorsqu'ils ne se débattent plus, elles s'en délestent. À la sortie de la ville, là où commence la route du désert, la fille se couche sur son réservoir, ouvre les gaz en grand, et dépose littéralement les Harley Davidson. Elle a été bien inspirée en montant ce nouveau carburateur double corps la semaine dernière. Son engin a trouvé un second souffle. Waouh ! Qu'est-ce qu'elle roule bien ! Mon anglaise ne ressemble qu'à elle-même. Elle démarre au quart de tour. Susceptible et impatiente, elle est si belle et si brillante, la vitesse. Elle aime. Le cow-boy ne décolle que rarement de son canapé. Au comble du désœuvrement, il parcourt les rayonnages. Les bouquins y sont entassés au petit bonheur, sans logique, au milieu d'objets hétéroclites. Il en prend un et se met à le lire. Il n'a jamais lu de livre. Il le lit jusqu'au bout. Puis il en prend un autre et recommence. Puis un autre et encore un autre. Il ne mange presque plus.